le salut que Dieu réalise et qu'il annonce joyeusement est destiné à tous. Dieu a un chemin pour s'unir chacun des êtres humains de tous les temps. Il a choisi de les convoquer comme peuple et non pas comme des êtres isolés. Jésus est la vigne et nous les serments. Si nous demeurons en Dieu, nous portons du fruit, en effet, sans lui nous ne pouvons rien faire. Puis-je proposer aujourd'hui d'aider une personne en difficulté? Restons en tenue de service. Qu'est-ce que Jésus a vraiment apporté? La réponse est très simple. Dieu. Il a apporté Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus souhaite que les grands prêtres et les anciens se tournent de nouveau vers Dieu. Quel type de langage utilisons-nous lorsque nous parlons de nos amis, de nos frères, de nos collègues de travail? Sommes-nous dans la critique systématique, les sarcasmes ou bien dans des remarques constructives? Aujourd'hui, abstenons-nous de calomnie, jugement. Approchons-nous de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Portons nos regards vers Jésus. Son regard est rempli d'amour. À son image. Ayons le même regard. Soyons les reflets de sa lumière, de sa miséricorde infinie, de son amour.